Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode où on va jouer avec une autre spé, donc ça va être vraiment super cool. On a plein de quêtes à faire par là-bas, on va devoir découvrir des trucs. Et donc c'est la première fois où on va jouer avec la spé au corps à corps. Avant on balançait des éclairs de loin et tout. Maintenant, à coup de massue, à coup on est Thor maintenant. On balance des éclairs, on a un marteau. Ouais c'est Thor. Maxi Pool. Bon ça va être un peu compliqué d'où je pense après. Ah le but, ok, tous les tuer. Je sais pas si je vais réussir à résister. Je crois que j'ai voulu les ralentir, ça sert à rien. Ok, on va les kite en fait. Ok, l'aspect alors, plutôt bien. Pour l'instant j'ai que deux sorts. J'ai que deux vrais sorts, mon 1 et mon 4. Je vais le mettre en 2 en fait, ce sera plus pratique. Voilà, en fait c'est passé easy. Donc on va pouvoir lui rendre la quête vu qu'on a tué 4 porcs de chaque. J'espère qu'il est content. Et là il nous dit de tuer 5 lèvres poussières. Bon encore plus de porcs, ok ça marche. Alfred le Uber. Alors voilà mon bon monsieur, j'ai tué un maximum de porcs comme tu me l'as demandé. C'est celui qui avait l'air perdu dans la loupe là. Attaquer 3 trotteurs des plaines. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'en dois même pas le tuer en fait, juste lui mettre des petits... Genre une claque. Bon elle était une deuxième claque. Beach slap. Une cape, merci monsieur. Ah cette zone là. Je sais pas si je vous l'avais dit. En fait, ces zones-là où il y avait des sortes d'éleveurs, et souvent ils avaient des porcs en fait à côté. Et quand j'étais jeune, quand j'étais con, ce que je faisais c'était quoi? Bah, je tuais tous les porcs, putain. Mais en vrai, ça c'est bon, ça c'est révolu. Maintenant, j'ai 22 ans, j'ai plus besoin de faire ça. Yes, on a gagné une petite sacoche. On a gagné un nouveau sort. Ok, tonk, tonk, 3000 XP, merci tonk. Tonk qui me donne. Plus du tout de quête en fait, qui s'en bat les couilles royales maintenant en fait. Alors, dans la tribu, tranche craint tuer 8 pilleurs et chasseurs. Et on a d'autres quêtes à prendre, dont celle-là, je sais pas si c'est maintenant, donc la caravane. La caravane, justement, la caravane avec le kodo. Faites-moi un plaisir, chaman, décimer ces sels volatiles pour nettoyer des routes et apportez-moi leur bec en guise de preuve. Ok, vénère. Vous avez bien œuvré, c'est le totem. Ouais, tuer 5 défenseurs encore des tranches craint. Putain, les orques qui ont vraiment cette putain de haine en eux quand même. Tuer tous les porcs, il faut tuer des porcs. Trouver 5 caisses de ravitaillement dans la caverne. Donc en fait là on nous envoie, on a deux quêtes dans une grotte avec des porcs. Yahoo! Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Je peux passer discrètement. On va prendre la caisse discrètement. Faut que je prenne la caisse. Oh là là, c'est infiltration. Non. Ok, il va regarder le mur. Non, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder la caisse, il repart, il regarde le mur. Ok là c'est notre moment de frapper. Faut qu'on prenne la caisse sans faire du bruit. Ah fils de pute. Maintenant. C'est risqué, non! Le gros boss là, tout nul, tout moche. Ils sont easy les boss! Allez oh les. Merde, je sais pas pourquoi j'allais dire allez les bleus. Allez les bleus! Yes! Niveau combien? Niveau 14 déjà. Donc là, on va lui parler et on va se dire bah, hey, je suis là pour défendre ton petit kodo, ma vieille. Oh là, sniper, à couvert! C'est le nouveau Call of, les gars. Vous voulez le trailer du nouveau Call of? Le voilà. Bravo 6. Going dark. Stand clear! A l'aide. Je peux tirer sur quelqu'un encore? Oh dommage. Je pense que c'est une des missions qui m'a vraiment choqué sur World of Warcraft. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait une mission comme ça. En gros, on va devoir capturer un tranche-crin. Donc ce qu'on a tué depuis plus d'un quart d'heure déjà. On va en capturer un et on va l'interroger. Vous allez voir comment c'est hardcore. Tu es si pire tranche-crin. Mais ils ont vraiment là cette haine, genre la haine du porc. Moi je suis pour une horde végétarienne. Ok, c'est parti les gars. C'est parti, le Battle Royale. Je vois même plus mon perso. Un en moins. Oh là là, le burst. Sur celui du milieu, le joueur français. Oh, le crit. Oh, what the fuck, le double crit. 98 déjà. Hop, prisonnier, on lui parle. Oh, what the fuck. Tranche crin, un petit raptor avec un petit zèbre. Le tout à volonté. Je crois que c'est là. Ok, allez là. Donc là, on va juste lui rendre la quête. Et on va prendre la quête, l'interroger. Il est où? Il est là, il est capturé. Qui vous envoie? Je dis rien. Ok, un coup de pied dans ton groin. Oh, il a dû faire mal celui-là. Est-ce que t'as senti mes deux orteils, fils de pute? Un coup de poing dans le groin. Allez, salut, pars d'ici, comme un mec cool. What? Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Peut-être que je vais me faire une copine un jour. Ah, non. Ah, 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 ah. Elle a l'air intéressée, elle a l'air intéressée, les gars. Elle a l'air intéressée. Oh. Ok, ça m'impressionne un tout petit peu. J'avoue, ça m'impressionne.
Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, la gueule que t'as, ouais, dégage. T'es quand même impressionnant, t'as tué un bébé porcin qui avait 2 points de vie. Ah, putain, elle m'a tourné le dos, sérieux? Ah, la première déception amoureuse. C'est toujours celle qui fait le plus mal, en vrai. Shaman, toi. Oh, il est niveau 20. Est-ce qu'on se fait un duel? Duel, je suis niveau 14. Je l'encule, mec. Ah, la baltringue. Oh, non, il a accepté le duel. Il a accepté le duel. What the fuck? Je m'en fous, je l'attaque. Il a 6 niveaux de plus que moi, je l'attaque. Ah, il a le seum. What the fuck, il me met trop cher. Si j'arrive à le battre, je serai à l'apogée de mon succès. Oh. Il est beaucoup trop fort, les gars, what the fuck. Non, il m'a cut. Et je suis mort. Eh, le troll, là, t'es charmant. Un petit duel. Oh, putain, il a accepté. Ok. À nous deux, bébé. Trait du chaos, non. Non. Est-ce qu'il a le cut? J'espère qu'il a pas le cut. Ah, bah t'as, il va drain ma vie. Non, nique ta mère. Ok, je peux pas me reprendre un autre trait du chaos, c'est mort. Si je me reprends un autre trait du chaos, j'aurais perdu. Ah, et moi j'ai pas de cut alors que lui. Trait de l'ombre. S'il me fait un trait du chaos, je suis mort. Faut que je caste avant lui. Oh, c'est chaud. Oh, Taras, arrête de drainer ma vie. Ah, j'en veux plus. Ah. Avec ton diablotin derrière. Yes. En soi, là, j'ai des quêtes qui m'indiquent d'aller là-bas. Mais ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de passer par là. Et d'aller jusqu'à l'avant-poste des portuaires. Taré du Nord. En fait, d'où il y a des corcrons? Niveau 90? Nique la police! Oh putain. J'espère que je cours plus vite qu'elle. En vrai, je cours plus vite qu'elle, non? Ah, Taras, le rôdeur, si tu me ralentis, je te tue. Non! Ta mère le... Non. Fils de... Oh, un donjon, oui. Ah, un petit donjon, c'est cool en vrai. On va avoir quelques quêtes d'intérieur, ça va me permettre d'XP assez rapidement. Je vais vous le passer quand même. C'est pas ultra intéressant, je pense, de me voir faire un donjon entièrement. Surtout qu'il est relativement long. Donc je vais le faire et je vais très sûrement EP d'un niveau, voire même peut-être 2 en fait. Allez, niveau combien? Niveau 17? 16? Niveau 16, les gars. On n'a pas EP niveau 10, 18, mais c'est tout comme... C'est vraiment tout comme... Oh non, je vais pas en faire un deuxième. C'est tout comme, on est à 96%. Et c'est sur celui-là, sur ce petit gobelin, le 3-6, qu'on va EP. Bisous les michetos. Allez, bisous les michetos. Niveau 18. Ça, c'est grave cool. Niveau 18, les gars, j'espère que ça vous a plu quand même. Donc voilà, c'est fini pour cet épisode numéro 3. Vous connaissez la chanson. Si tu veux me suivre dans tout ce que je fais de ultra loufoque, abonne-toi à ma chaîne pour me suivre et donc ne rien louper. Si tu as aimé la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour aimer et laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Et pareil, si t'as pas aimé, mets-moi un pouce rouge et bien sûr un commentaire constructif. Perso, j'ai bien kiffé. Dans quelques niveaux, on va découvrir l'aspect restauration, donc l'aspect heal du chaman. Peut-être en donjon plus, parce qu'on va peut-être pas faire ça juste en quête tout seul, ça serait un peu bizarre. J'espère que vous êtes hypé pour cette série. Moi, en tout cas, je le suis. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée. Ciao tout le monde. Salut.